Je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez peut-être que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit, certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Existe-t-il des univers parallèles? À New York, une femme fait une rencontre terrifiante avec une ombre mystérieuse à forme humaine. S'agit-il d'une entité venue d'une autre dimension? Elle avait quelque chose de sinistre. Au New Jersey, un garçon entre dans une étrange machine. On a compté jusqu'à 3 et on a traversé le champ d'énergie. Et se retrouve dans un autre monde. La téléportation existe-t-elle? Et au Mexique, un explorateur découvre un étrange crâne en cristal. Est-ce un point d'entrée vers un autre univers? Oui. C'est un monde étrange. Et j'adore ça. Des bulles! Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Des scientifiques croient que nous vivons dans une bulle. Ils disent que notre univers est une bulle gigantesque d'une taille quasi infinie. Et ce n'est pas tout. En 2010, des scientifiques ont découvert une chose extraordinaire. La preuve que notre bulle, notre univers, a été frappé non pas une, mais 4 fois. Comment? En entrant en collision avec d'autres bulles. Et savez-vous ce que sont ces autres bulles? D'autres univers. Il pourrait y en avoir des millions. Des univers parallèles. D'autres dimensions qui existent à côté de la nôtre. Stupéfiant, n'est-ce pas? Si c'est vrai, cela signifie que dans ces bulles, il y a des gens ou des êtres qui nous ressemblent. Cela fait un peu peur, non? Dans un avenir lointain, pourrions-nous croiser quelque chose ou quelqu'un d'une dimension voisine? Eh bien, j'ai du nouveau à vous annoncer. Ça se produit déjà. Des bulles! Rosemary Gilley est auteure. En octobre 2010, elle décide d'aller faire une randonnée dans le Fahnestock State Park de New York. Je suis allée marcher seule, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Il n'y avait personne sur le sentier, et je me suis dirigée vers ce qu'on appelle la Chambre du Roi. La Chambre du Roi est une des mystérieuses structures façonnées par l'homme à cet endroit. Personne ne sait qui les a construites ni pourquoi. Plusieurs visiteurs y ont déjà vécu des expériences paranormales. Certains pensent qu'elles ont été construites par les Amérindiens. D'autres croient qu'elles sont l'œuvre de colons européens ou même de druides de l'Antiquité. Personne ne le sait vraiment. Mais lorsque Rosemary pénètre dans les ruines, elle a une impression bizarre. J'ai senti une présence. J'avais l'impression que quelqu'un m'observait ou que quelque chose d'inhabituel était sur le point de se produire. Malgré ses hésitations, Rosemary continue son parcours. Elle ne tarde pas à s'en repentir. J'ai vu une forme sombre se déplacer entre les arbres devant moi. Elle avait quelque chose de sinistre. Cette ombre était grande et mince, et sa silhouette rappelait celle d'un humain. Elle était noire comme l'encre. Ses contours étaient flous, et la partie inférieure semblait un peu s'estomper. Elle n'avait pas de traits faciaux, pas d'yeux. Pourtant, je sentais qu'elle me regardait. C'était terrifiant. L'imagination de Rosemary lui joue-t-elle des tours? Ou alors, une personne ou une chose l'a-t-elle suivie dans la chambre du roi?
Ce n'était pas une apparition. On le sent quand on rencontre quelque chose qui ne fait pas vraiment partie de ce monde. Alors, qu'est-ce que c'était? Rosemary ne reste pas là pour tenter de le savoir. C'était comme dans un film, quand les gens sont en danger et qu'une voix leur dit « Va-t'en, il est temps de partir ». Qu'a donc vu Rosemary Gilly? Cette ombre était-elle dangereuse? Ou était-ce quelque chose d'encore plus sinistre? Elle n'est pas la seule à avoir vécu une telle expérience. Des centaines de personnes affirment avoir rencontré des créatures humanoïdes sombres et translucides. Elles les appellent les gens de l'ombre. Mais qui sont ces gens de l'ombre? Rosemary en est venue à une conclusion étonnante. Les gens de l'ombre viennent de dimensions parallèles qui sont ici, sur cette planète. Ils sont près d'une certaine courbure dans l'espace où on ne peut pas les voir normalement, sauf dans certaines circonstances. Les gens de l'ombre sont-ils des intrus venus d'une dimension parallèle? Si oui, comment ont-ils traversé dans notre monde? Et que veulent-ils? Christopher French est psychologue. Il pense qu'il existe une explication simple à ce mystère. Ces apparitions sont tout simplement des ombres. On dit qu'elles se déplacent rapidement. Elles sont là, et le moment suivant, elles sont ailleurs. Cela rappelle beaucoup le mouvement d'une ombre. Les gens de l'ombre ne sont-ils vraiment que des ombres? Si oui, comment peuvent-elles avoir une forme aussi humaine? Christopher French croit que la réponse se trouve dans un phénomène appelé pareidolie. La pareidolie est une illusion qui fait qu'on est porté à voir des formes humaines là où il n'y en a pas. Tout le monde a probablement déjà cru voir des visages en regardant des motifs sur du papier peint. Ou découvert des formes d'animaux dans les nuages. Il y a des gens qui ont vu le visage du Christ dans des assiettes de spaghettis, dans des brioches à la cannelle, dans des marques de brûlure sur des tortillas. En réalité, ce sont des motifs plus ou moins irréguliers auxquels on donne une certaine signification. Ce stimulus visuel se produit particulièrement dans certains types d'endroits, comme une forêt ou une grotte, où il y a beaucoup d'ombre et où les gens perçoivent parfois des choses qui n'existent pas. Mais plusieurs personnes qui ont rencontré des gens de l'ombre se sont senties physiquement menacées. Pourquoi ? Je crois qu'une des raisons pour lesquelles les gens perçoivent souvent ces choses comme une menace est liée à notre évolution. Prenons l'exemple de deux hommes de l'âge de pierre. Le premier croit qu'un machaerodonte est peut-être caché dans un buisson. Le deuxième décide rapidement qu'il y en a un dans ce buisson et il s'enfuit. Le premier homme continue de se gratter la tête en se demandant si c'est vraiment un machaerodonte et il se fait dévorer. Selon vous, lequel transmettra ses gènes? Nous avons évolué pour survivre. Notre instinct de survie nous incite-t-il à croire qu'une ombre est une créature terrifiante? Des gens tout à fait sains d'esprit voient parfois des choses qui ne sont pas là. C'est un phénomène courant. Certaines parties du cerveau sont programmées pour reconnaître les formes et les visages humains. Et parfois, ces parties du cerveau réagissent devant des ombres. Les gens de l'ombre sont-ils simplement des ombres? Rosemary Gilly n'en est pas convaincue. Ce n'était pas un effet de mon imagination. C'était une évidence. Une ombre noire se déplaçait entre les arbres. C'est fascinant de voir des ombres apparaître quand on ne s'y attend pas. Est-ce que celle-ci pourrait être une terrifiante créature venue d'une autre dimension? Est-ce toi qui as fait ça, Fluffy? Alors, qui sont exactement les gens de l'ombre? D'où viennent-ils?
Un homme croit le savoir. Une femme fait une rencontre terrifiante avec une ombre à forme humaine. Son imagination lui joue-t-elle des tours? S'agit-il d'un visiteur venu d'un monde parallèle? Philip Imbrogno est un chercheur qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Selon lui, la réponse est évidente. Les cas que j'ai étudiés concernant les gens de l'ombre me portent à croire qu'ils sont interdimensionnels. Ils sont intelligents. Ils appartiennent à une race qui existait avant les humains. Ils vivent dans une dimension qui est très proche de la nôtre. C'est une théorie étonnante, mais elle soulève une grande question. Comment peut-on savoir que de telles dimensions existent? Philip Imbrogno croit que l'explication se trouve dans la force de gravité et son élément constituant, le graviton. Un graviton est une particule hypothétique qui relie tout l'univers. Les gravitons circulent entre les dimensions comme une vague. Ces particules exercent une attraction, comme une attraction magnétique. En atteignant la Terre, la gravité de notre Soleil devrait théoriquement la détruire, mais elle ne le fait pas. Si tous ces gravitons émis par le Soleil étaient filtrés par plusieurs dimensions avant de nous atteindre, cela pourrait nous indiquer que ces autres dimensions existent réellement. Si cela vous semble incompréhensible, voici une explication plus simple. Philip Imbrogno pense que la gravité est affaiblie avant d'arriver à la Terre parce qu'elle est amoindrie lorsqu'elle traverse d'autres dimensions où vivent les gens de l'ombre. C'est une idée extraordinaire et un peu insensée. S'il y a d'autres dimensions qui entourent la nôtre, comment les gens de l'ombre les traversent-ils pour venir jusqu'à nous? Les gens de l'ombre comprennent peut-être mieux que nous le concept des gravitons. Leur technologie existait plusieurs milliers d'années avant l'apparition de l'homme. Ils comprennent peut-être qu'ils doivent concentrer les gravitons à un certain endroit pour ouvrir un portail menant à notre réalité. Philip Imbrogno dit qu'il aura bientôt des preuves scientifiques irréfutables pour appuyer sa théorie. Lorsque ces dimensions seront ouvertes, on devrait voir un afflux de gravitons. Cette interaction est mesurable. La recherche passionnante à laquelle je participe actuellement permettra de construire des appareils pouvant détecter de grandes quantités de gravitons pour prédire à quel moment les gens de l'ombre apparaîtront. Les gens de l'ombre utilisent-ils la gravité pour ouvrir des portails menant à notre dimension? Et s'ils le font, que veulent-ils au juste? Je pense que le principal objectif des gens de l'ombre est d'en apprendre le plus possible à notre sujet en nous observant. Certains pourraient trouver cela très inquiétant. Pour ma part, j'aimerais penser qu'ils viennent tout juste de nous découvrir et que leur curiosité à notre égard est semblable à celle que nous éprouvons envers eux, et qu'un jour peut-être ils manifesteront leur présence et tenteront de coexister avec nous parce que nous sommes voisins. La créature de l'ombre que Rosemary Gilley a rencontrée était-elle curieuse? Une invasion d'individus venus d'une dimension voisine nous menace-t-elle? Devrions-nous avoir peur? Ou ces êtres ne sont-ils qu'un effet trompeur de la lumière? Bizarre. Ou quoi? Je me suis souvent retrouvé dans des situations difficiles pendant nos voyages à bord du vaisseau spatial Enterprise. Mais j'ai toujours réussi à m'en sortir. Comme ça. Vous avez vu ce que j'ai fait? Et Scotty n'était même pas là pour me téléporter. Mais
Est-il possible de se transporter soi-même d'un endroit à un autre en un instant? Vous croyez que ce genre de choses relève de la science-fiction? Erreur. 1960, Suburban ou New Jersey. Andrew Bashiago a 6 ans et il va bientôt vivre la journée la plus mémorable de sa vie. Mon père a appelé ma mère et lui a dit « Chérie, je vais à la quincaillerie avec Andy ». Mais il m'a plutôt amené dans un vieux bâtiment de l'entreprise d'aéronautique de Woodridge, au New Jersey. Un complexe de technologie expérimentale datant de la Seconde Guerre mondiale. En entrant dans le bâtiment, Andrew se demande pourquoi Frank, son père, l'a amené dans un tel endroit. Je me demandais ce qui se passait. Le père d'Andrew le conduit dans une pièce secrète. À l'intérieur se trouve une chose qu'il n'a jamais vue auparavant. C'était très étrange. J'ai vu deux éléments de forme elliptique qui faisaient environ 2,5 mètres de haut et 3 mètres de large. Cet appareil est trop compliqué pour qu'Andy puisse comprendre de quoi il s'agit. Mais son père semble parfaitement le contrôler. Pourquoi? Et à quoi sert-il? Il a demandé au technicien de mettre l'appareil en marche. Les éléments commencent à tourner, produisant une étrange cascade d'énergie. Ça ressemblait à de l'eau qui tombe dans une fontaine publique. C'était une sorte de champ d'énergie scintillant et magnifique. Lorsque le champ d'énergie s'agrandit, le père d'Andrew dit à son fils « Prends ma main. » Puis, l'inimaginable se produit. On a compté jusqu'à 3 et on a traversé le champ d'énergie. On semblait se déplacer et je pouvais voir un point lumineux au loin. Cette lumière nous a atteints très rapidement et quand elle nous a frappés, on s'est retrouvés ailleurs au pays. Mon père ne m'a pas dit où on allait. En fait, on a franchi 3225 km dans ce tourbillon jusqu'à Santa Fe au Nouveau-Mexique, sur les terrains de l'Assemblée législative d'État. C'est un récit très étonnant. Deux humains ont-ils été transportés du New Jersey au Nouveau-Mexique en un clin d'œil? Qu'est-il arrivé à Andrew et à son père? Pourrait-il s'agir du rêve extravagant d'un enfant de 6 ans? Andrew Bashiago croit qu'il existe une seule réponse à ces questions. Je pense que j'ai été téléporté. Imaginez que vous circulez dans le Lincoln Tunnel de New York à 16 000 km à l'heure sans aucune voiture autour de vous. C'est à ça que ça ressemblait. On se déplaçait physiquement dans un vortex dans le tissu de l'espace-temps. Frank, le père d'Andrew, avait-il inventé le premier appareil de téléportation? Et si oui, pourquoi? Frank Bashiago n'était pas un père comme les autres. Durant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique tentaient tous deux de démontrer leur supériorité militaire. Frank dirigeait une équipe ultra-secrète de chercheurs américains qui faisait des expériences de téléportation. Mais pourquoi a-t-il utilisé son fils comme cobaye? Je crois que mon père voulait démontrer que si la téléportation était sans danger pour son fils, elle l'était pour n'importe quel enfant. J'étais là, comme un enfant aurait pu se trouver à bord d'un des navires de Christophe Colomb, garçon de bureau pour les frères Wright ou assistant de Thomas Alva Edison. Après cette expérience réussie, Frank Bashiago décide que la téléportation est trop importante pour la garder secrète. Il veut en parler au monde entier, mais l'armée américaine n'est pas de son avis. C'est regrettable, mais l'histoire de la téléportation est toujours restée un secret militaire depuis. 40 ans plus tard, Andrew s'est donné une mission. Il estime que la technologie de la téléportation est extrêmement importante et que l'invention de son père devrait être accessible à tout le monde.
Aujourd'hui, je fais campagne pour révéler la vérité. Je demande au gouvernement des États-Unis de déclassifier la téléportation afin de permettre aux gens de se téléporter entre les villes importantes. Je crois avoir le devoir de rapporter ce qui s'est passé, car de toute évidence, c'était un moment important dans l'histoire des sciences appliquées. C'est le moment où notre civilisation humaine a été dotée du pouvoir d'explorer le temps et l'espace. Frank Bachiago a-t-il inventé une machine capable de nous transporter instantanément à l'autre bout du monde, ou même dans d'autres dimensions? La téléportation est-elle possible? Je ne voudrais pas être la première personne à être téléportée. J'aurais peur de me retrouver comme un tableau de Picasso. Un garçon entre dans un appareil qui le transporte à des milliers de kilomètres en quelques secondes. La téléportation humaine est-elle possible? Raymond Laflamme est physicien. Selon lui, l'idée que l'on puisse téléporter son corps relève de la fiction. Il semble que les lois de la physique sont plus contraignantes que l'imagination humaine. Quand on entend le mot téléportation, on pense immédiatement à Star Trek. Téléportez-moi, Scotty. Et à l'idée qu'une personne puisse se désintégrer et réapparaître dans une station spatiale. Ce genre de choses se produit dans la science-fiction. Étonnamment, même si Raymond Laflamme rejette l'idée que les gens puissent se téléporter, il croit que cela peut se produire d'autres façons. Parce qu'il a été un des premiers scientifiques à le faire. On ne téléporte pas de la matière d'un endroit à un autre. On téléporte des informations. Un instant. Téléporter des informations, n'est-ce pas ce qu'on fait quand on envoie un courriel? Quand on envoie un courriel, ou même quand on parle dans notre cellulaire, l'information de l'expéditeur parvient au destinataire en traversant l'espace qui les sépare. Raymond Laflamme a réussi l'exploit remarquable de téléporter des informations sans aucun appareil. Ce qui a été téléporté est un bit quantique d'information. On a réussi à le faire sur une distance de quelques kilomètres. On a pris une particule d'information et on l'a fait réapparaître quelques kilomètres plus loin. Cela fonctionne de la façon suivante. Dans le monde de la physique quantique, les particules les plus minuscules peuvent être liées, même si elles sont séparées par de grandes distances spatiales. De telles particules peuvent être littéralement à deux endroits en même temps. C'est l'intrication quantique. Le fait qu'on puisse téléporter est fascinant. Dans la téléportation quantique, ça semble disparaître ici et réapparaître là. C'est comme un tour de magie. Cette technologie pourrait être bientôt utilisée pour communiquer instantanément avec les véhicules spatiaux, quelle que soit la distance à laquelle ils se trouvent, ou envoyer des communications militaires qui seraient impossibles d'intercepter. On commence seulement à comprendre ce qu'est la téléportation quantique, comment elle fonctionne. On est peut-être capable de téléporter des informations, mais l'histoire d'Andrew Bachiago signifie-t-elle qu'on peut se téléporter soi-même? Raymond Laflamme ne le croit pas. Il doit sûrement posséder un secret que je ne connais pas. Je ne voudrais pas être la première personne à être téléportée. J'aurais peur de me retrouver comme un tableau de Picasso. Si la téléportation humaine n'est pas possible, qu'est-il arrivé à Andrew Bachiago? Ce périple incroyable était-il le fruit de l'imagination d'un enfant? Bruce Goldberg est hypnothérapeute. Il pense que les histoires comme celle d'Andrew sont vraies. Des écrits datant de plusieurs milliers d'années font état de gens qui ont été téléportés. Il y a beaucoup de cas à caractère religieux, mais il y a aussi des cas laïques. Je pense que la téléportation existe. Mais comment? Le docteur Goldberg croit avoir découvert le secret de ce phénomène. La téléportation est un mécanisme très complexe. J'ai découvert la téléportation en travaillant avec mes patients. Les gens disaient qu'ils disparaissaient d'un endroit. Un homme est passé de New York à Paris en un instant. Sa femme était assise dans la même pièce que lui et elle m'a dit « Mon mari a disparu. J'ignore où il est allé et j'étais là. » Bruce Goldberg met d'abord en doute les récits de ses patients.
J'ai commencé à faire des recherches sur des cas de téléportation. Ce sont des personnes psychologiquement stables et elles ne prennent aucune drogue. Je les connais et je connais leur famille. Le docteur Goldberg poursuit ses recherches et ses patients commencent à décrire leurs expériences de téléportation de façon remarquablement détaillée. Ils ont tous une chose en commun. Au début, c'est un peu comme une vision télescopique. Puis soudain, on apparaît en entier. Les gens sont exactement comme nous. Certaines des personnes que je rencontre sont reconnaissables. Je sais qui elles sont. Chose étonnante, les gens qu'ils ont rencontrés étaient des répliques d'eux-mêmes. Ces expériences similaires ont amené Bruce Goldberg à faire une déduction surprenante. Quand on se téléporte, on quitte cet univers et on se retrouve dans un univers parallèle. Des univers existent à côté du nôtre. Votre ADN est exactement le même dans votre vie parallèle. Les patients de Bruce Goldberg sont-ils en quelque sorte aspirés dans des dimensions parallèles où ils rencontrent leur double? Ça commence à devenir bizarre. Existe-t-il plus qu'un Bill? Avez-vous un double? Un peu cinglé, non? Étonnamment, des physiciens croient que ces copies identiques de nous-mêmes pourraient exister. Je ne comprends pas vraiment comment c'est possible, mais si les experts disent que ça fonctionne, qui suis-je pour en douter? Est-ce qu'une copie identique de chacun de nous existe dans un univers parallèle? Pourrions-nous pénétrer dans ces autres réalités? Selon Bruce Goldberg, les possibilités sont stupéfiantes. Disons qu'il y a certains aspects de votre vie que vous ne pouvez pas changer. Une maladie incurable, un dossier criminel, ou vous avez perdu un bras. Dans un univers parallèle, ce n'est pas arrivé. Alors plutôt que de vous suicider ou de déprimer, vous pourriez changer d'univers et connaître une vie meilleure. Mais s'il est vraiment possible de traverser dans un monde parallèle, pourquoi tout le monde ne le fait-il pas? La téléportation est difficilement prévisible. On peut essayer 1000 fois et ne réussir qu'une ou deux fois. Mais la technologie future permettra de mettre au point des appareils qui assureront plus de contrôle et de prévisibilité. Une telle technologie pourrait-elle déjà exister? Le rêve de Frank Bachiago pourrait-il être encore vivant? Je ne doute pas qu'il puisse exister aujourd'hui une technologie où quelqu'un peut entrer dans un tourbillon d'énergie et être téléporté d'un endroit à un autre. Existons-nous tous dans d'autres dimensions? Possédons-nous des machines capables de nous téléporter d'un univers à l'autre? Scotty pourrait-il vraiment nous ramener à bord après tout? Bizarre. Ou quoi? Au Mexique, un explorateur découvre un crâne étrange en cristal. Est-ce un point d'entrée vers un autre univers? J'aime bien explorer. Et il n'y a rien de plus agréable que de faire des recherches dans la nature. Oh, vous avez entendu? Parfois, on découvre des trésors qui dépassent l'imagination. D'autres fois, on trouve des choses qu'on préfère garder secrètes. En 1924, l'aventurier britannique Frederick Mitchell Hedges part à la recherche de trésors mayas au Belize, un petit pays d'Amérique centrale. Ce qu'il découvre est considéré par certains comme le plus important vestige archéologique jamais trouvé. Un crâne humain en cristal, parfaitement formé. Sculpté avec une précision parfaite, cet artefact de 2000 ans déconcerte les scientifiques. Plusieurs croient que la technologie qu'il a créée n'a pu exister dans les temps anciens, ni même modernes. Alors, qu'est-ce que c'est? Et d'où vient-il? La réponse pourrait se trouver dans une légende maya, où il est question, non pas d'un,
mais de 13 crânes en cristal, dotés de pouvoirs extraordinaires. Cette légende pourrait reposer sur des faits. En 1994, l'archéologue amateur Nick Nocerino découvre dans l'état du Guerrero, au Mexique, un autre crâne parfait de dimensions humaines, sculpté dans du cristal. Kirby Seed est un expert en cristal et en minéraux. En 1995, le crâne de Guerrero est confié à ses soins. Lorsqu'il l'examine, quelque chose de bizarre se produit. Il a commencé à me montrer des images de vie passée et de futurs que je pourrais tenter de réaliser. Ces images se sont transformées en visions. Je voyais des gens et des objets bouger. Il y avait du mouvement dans ces visions. Soudain, j'ai senti que je pénétrais dans cette réalité particulière et que je fusionnais mon énergie à la sienne. Kirby Seed croit que ce crâne a plusieurs autres pouvoirs. Le plus important est la capacité de nous faire accéder à un autre univers. Les crânes de cristal sont holographiques. Ils contiennent l'univers au complet. Selon une théorie récente de la physique, la théorie des cordes, il existe au moins 11 dimensions. Les crânes sont des portails vers d'autres dimensions dans des univers parallèles. Les crânes de cristal possèdent-ils des pouvoirs étranges qui peuvent nous amener dans d'autres dimensions? Ou existe-t-il une autre explication à ce mystère? En ce qui me concerne, ils ne sont entourés d'aucun mystère. Jane Walsh est anthropologue à la Smithsonian Institution de Washington. Elle croit que les crânes de cristal ne sont pas aussi magiques qu'ils le semblent. J'en suis venue à la conclusion que tous les crânes que j'ai examinés n'ont rien à voir avec le Mexique précolombien. Ils ont été conçus pour créer un mythe. Jane a examiné 9 crânes de cristal, dont celui qui a été découvert par Frederick Mitchell Hedges. En raison de la nature du cristal, il est impossible de déterminer à quel moment ces crânes ont été créés. Mais Jane Walsh croit qu'il existe une autre façon de connaître leurs secrets. En utilisant de la silicone liquide, elle peut découvrir comment ils ont été fabriqués. La silicone s'insère facilement dans les interstices. Je m'assure qu'elle pénètre dans toutes les cavités. Lorsque la silicone est sèche, Jane obtient un moule très fidèle des traces qui marquent la surface du crâne. Un microscope électronique lui permet de les grossir plus de 10 millions de fois. Lorsque ces électrons frapperont la surface de l'échantillon, il y aura un signal. On obtiendra une image topographique de la surface et une excellente résolution spatiale. On verra des détails très précis et beaucoup de choses qu'on ne verrait pas autrement. Une chose est particulièrement frappante. C'est la preuve que les crânes de cristal ne sont pas aussi parfaits qu'ils semblent l'être. Ce que vous voyez ici est le bord d'un instrument rotatif. Si un homme était assis ici et qu'il tentait de percer ce petit trou, on n'aurait pas ce petit tracé qu'on peut suivre tout autour. L'analyse de Jane Walsh est accablante. Elle croit que la personne qui a fabriqué ces crânes avait accès à des outils électriques modernes. On sait quels outils étaient utilisés par les tailleurs de pierre précolombiens. C'était des outils de l'âge de pierre. Pour ce qui est du crâne de Mitchell Hedges, on a pu déterminer qu'une partie de la taille initiale a été faite avec de très petits forêts à grande vitesse, rappelant les fraises des dentistes. Aucun Maya ou Aztèque n'aurait pu posséder un tel outil. Si les crânes n'ont pas été fabriqués par des Mayas ou des Aztèques, quand ont-ils été sculptés? Ils sont probablement aussi anciens que le moment où ils sont apparus pour la première fois. Ils ont été créés avec des outils assez modernes.
les crânes de cristal ne sont-ils qu'une vaste mystification? L'analyse impitoyable du microscope de Jane Walls signifie-t-elle qu'on ne doit pas croire ceux qui affirment qu'ils ont des pouvoirs mystiques? J'aimerais beaucoup qu'un archéologue reconnu en découvre un, mais je ne compte pas trop là-dessus. La légende des 13 crânes de cristal dotés de pouvoirs particuliers ne reposerait donc sur rien de convaincant? Ont-ils vraiment des pouvoirs qui dépassent l'entendement? Kirby Seed pourrait-il avoir raison? Existe-t-il des points d'entrée vers d'autres dimensions? Joshua Shapiro est un explorateur. Non seulement il pense que les crânes de cristal peuvent nous relier à d'autres univers, mais il affirme qu'ils nous ont été donnés par les êtres qui y vivent. Je crois qu'il existe un lien entre les crânes de cristal et les autres intelligences qui pourraient venir d'univers parallèles ou d'autres dimensions. Je pense que ces êtres ont apporté les crânes de cristal à l'humanité il y a très longtemps. Les crânes de cristal sont-ils venus jadis d'univers parallèles? Si oui, comment les êtres vivants dans d'autres dimensions les utilisent-ils pour se relier aux humains? Joshua Shapiro pense que cela dépend de la matière utilisée pour leur fabrication. Les crânes de cristal servent de porte dimensionnelle parce que le cristal de quartz peut exister simultanément dans plusieurs dimensions différentes. Il interagit avec des énergies sur différentes fréquences vibratoires. C'est pourquoi il est un canal idéal. Le cristal de quartz vibrerait à différentes fréquences dans plusieurs dimensions? Insensé, non? En fait, des cristaux sont utilisés dans des appareils de communication, comme des radios, depuis près d'un siècle. On peut les faire vibrer à certaines fréquences spécifiques, ce qui leur permet de capter des émissions. Qui sait? Un crâne de cristal pourrait être un téléphone interdimensionnel? Le cristal de quartz est une des matières les plus importantes de la planète. Mais le fait de lui donner la forme d'un crâne humain le rend très spécial. Ces autres intelligences peuvent utiliser le crâne de cristal pour communiquer avec nous. Les crânes de cristal servent-ils à nous transmettre des messages venant des autres dimensions? Et dans ce cas, qu'essaie-t-il de nous communiquer? Si je pouvais définir en une phrase ce que sont les crânes de cristal, je dirais qu'ils sont un miroir et un catalyseur pour éveiller l'humanité. Si comme individus on pouvait s'ouvrir à tous les phénomènes fascinants qui se passent dans notre monde, plutôt que de tenter de tout rationaliser, je pense que notre planète connaîtrait la paix beaucoup plus rapidement, qu'on en apprendrait plus sur nous-mêmes et qu'on aurait droit à une aide qu'on ne parvient même pas à imaginer. Les crânes de cristal ont-ils la capacité de créer des signaux électriques nous permettant d'interagir avec d'autres dimensions? Ou sont-ils simplement d'inoffensifs morceaux de pierre polie? La science a-t-elle démontré qu'il existe des portails vers d'autres univers? Quelle histoire incroyable! Ce crâne pourrait-il produire des vibrations qui nous permettraient de parler à des gens dans des univers parallèles? Pouvez-vous imaginer tout ce qu'on pourrait réaliser si on pouvait tirer profit de ces objets magnifiques d'une valeur inestimable? Oups! On peut en avoir un autre? On croit qu'un mystérieux crâne de cristal découvert au Mexique pourrait nous permettre d'accéder à une autre dimension. Est-ce possible? Paul Stevenson, de l'Université de Surrey, s'intéresse aux conditions extrêmes en physique. Il pense que l'idée d'un portail menant à un univers lointain est plausible. Le fait que les trous noirs existent nous permet de penser, en théorie, que nous pourrions un jour ouvrir une porte vers un autre univers. Les astronomes croyaient jadis que tout ce qui se trouvait dans un trou noir était compressé en un point singulier d'une masse quasi infinie.
Mais récemment, certains ont proposé une autre idée. Il est concevable que l'on puisse créer une sorte de portail qui permettrait de se déplacer d'une partie à l'autre de l'univers. Cela s'appellerait un tunnel cosmique. Si on pouvait créer une sorte de tunnel menant à d'autres parties de notre univers, qu'est-ce que cela signifierait pour les dimensions parallèles? Ce ne serait pas un si grand bond en avant de suggérer qu'on pourrait créer un tunnel cosmique qui nous relierait à différentes dimensions ou à un univers différent. Selon Paul Stevenson, il est théoriquement possible de créer un point d'entrée vers d'autres univers. Personne n'en a jamais vu. Comment sait-il que cela pourrait arriver? C'est fondé sur des principes établis de la physique. Par le passé, bien des choses qu'on trouvait au départ ridicules et extravagantes étaient finalement très sensées. Je ne sais pas si ça se produira dans le cas des tunnels cosmiques et si j'en verrai jamais un. Mais il n'est certainement pas déraisonnable de croire à cette possibilité. Pourrait-on ouvrir des portes cosmiques vers des univers parallèles? Et communiquer avec eux grâce aux crânes de cristal? Ou pourrait-on simplement se téléporter aussi souvent qu'on le souhaiterait? Des gens de l'ombre venant d'autres dimensions sont-ils déjà parmi nous? Bizarre, ou quoi? Nous venons de voir des histoires concernant des mondes parallèles. À New York, une femme a fait une rencontre terrifiante avec une ombre à forme humaine. Venait-elle d'une autre dimension? Au New Jersey, une machine bizarre a transporté un garçon et son père à plusieurs milliers de kilomètres en une fraction de seconde. Ont-ils été téléportés dans un monde différent? Et au Mexique, une équipe a fait une découverte étonnante. Un crâne de cristal. Était-ce un point d'entrée vers un autre univers? Ces histoires sont-elles la preuve que des univers parallèles existent? Peut-on rejeter les affirmations de ceux qui croient qu'ils sont réels? À vous de juger. À la prochaine pour de nouvelles histoires plus bizarres, les unes que les autres.